Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Comme d'habitude, j'ai le plaisir de vous tenir compagnie jusqu'à 20h heure locale. Ce soir, notre émission sera principalement consacrée à un sujet à la une des priorités de la direction politique en Égypte, également du gouvernement. Il s'agit de l'autonomisation de la jeunesse en Égypte, un thème, une priorité depuis 2014 du président Abdel Fattah el-Sisi. Pour parler de ça en détail, de la réhabilitation, de la sensibilisation, la participation, l'émancipation de la jeunesse en Égypte, qui représente 60% et même plus de la population égyptienne, et leur postes clés qui ont été donc prises en charge par la jeunesse, plusieurs de cette jeunesse égyptienne, le rôle dans la société, le rôle pour la sécurité également de l'Égypte. Nous allons parler de tout ça en détail avec notre invité pour ce soir, Dr Ahmed Alethi Nansef, qui est expert consultant international en gestion et en économie. Bonsoir, Dr Ahmed. Bonsoir à vous. Merci bien d'être avec moi à cette émission de direct. Avant d'entamer en détail les détails effectivement de l'autonomisation et l'émancipation de la jeunesse égyptienne en Égypte et cet intérêt accordé par la direction politique, par la présidence et par le gouvernement ainsi que les gouverneurs de toute la République, nous allons juste passer en revue quelques petites nouvelles pour parler des nouvelles à la une d'aujourd'hui et notamment la visite du ministre des Affaires étrangères du Japon en Égypte qui a rencontré, s'est entretenu avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Donc à la une de ces nouvelles, c'est cette réunion entre le président el-Sisi et le ministre japonais ou nippon des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi. Et cette réunion a eu lieu en présence du chef de la diplomatie Sameh Shoukry et l'ambassadeur du Japon au Caire. Et selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est félicité de la visite de ce responsable japonais au Caire, lui demandant de transmettre ses salutations au premier ministre nippon Yoshihide Suga et félicitant le peuple japonais pour le succès des Jeux Olympiques de Tokyo. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également exprimé la fierté de l'Égypte quant à ses relations d'amitié étroite avec le Japon, qui a une grande civilisation et de bonnes valeurs, soulignant l'intérêt et le souci de l'Égypte de développer la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, en particulier ceux de développement de l'économie et d'investissement. Et toujours dans ce même contexte, c'est la réunion du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, avec son homologue nippon, Toshimitsu Motegi. Monsieur Shoukry a donc insisté sur les relations historiques entre l'Égypte et entre le Japon dans tous les domaines. Et de son côté, le ministre japonais des Affaires étrangères a déclaré l'appréciation de son pays pour les efforts de l'Égypte afin de soutenir la paix et la stabilité dans la région. Il a souligné que son pays visait à coopérer avec l'Égypte dans des projets dans la région du canal de Suez. Dr Madboulet a examiné avec son homologue nippon les relations bilatérales entre les deux pays, les moyens de renforcer la coopération économique entre l'Égypte et le Japon et également les intérêts communs. Et encore une fois, le ministre des Affaires étrangères a signalé qu'il a examiné les affaires régionales, notamment la question palestinienne, la situation en Syrie, en Irak et au Yémen. Il a examiné également la nécessité de restaurer la paix, le renforcement de la coopération avec le Japon afin de soutenir le développement dans le continent africain. Cette dernière nouvelle concernant l'actualité d'aujourd'hui, c'est la réunion présidée par le Premier ministre Mustapha Madbouly, la réunion du Comité suprême pour la gestion de la crise du coronavirus, en présence de plusieurs ministres et responsables. Et lors de la réunion, donc, Dr Madbouly a souligné l'importance de vacciner les citoyens comme une étape importante dans la lutte contre cette pandémie et la réduction des risques d'infection, soulignant que contribuer à suivre les mesures de précaution et de prévention est une nécessité pour que le virus ne se propage pas. Dr Madbouly a souligné que la première priorité sera de vacciner les travailleurs du secteur de l'enseignement universitaire en appliquant les directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour préparer le plan de vaccination des cadres universitaires, des instituts, des étudiants, des professeurs et des employés, coïncidant avec le début de la nouvelle année universitaire.
Et avant d'entamer donc nos questions-réponses avec le sujet principal qui est l'émancipation de la jeunesse égyptienne, 60% de la population, leur place aujourd'hui dans la société, leur rôle prometteur dans la société égyptienne, nous allons juste passer en revue l'importance de la visite du ministre nippon des Affaires étrangères, cette visite aujourd'hui au Caire et son entretien avec le président Abdel Fattah al-Sisi ainsi que son entretien avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouly et également sa conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères. Dr Ahmad, donc des relations entre l'Égypte et le Japon, historiques profondes, des relations de civilisation, des relations de respect commun, de respect mutuel, des relations d'intérêt commun et beaucoup d'autres, une longue histoire entre les deux pays, un bref aperçu donc sur l'importance de cette visite et ce timing de la visite. Ben, c'est un timing excellent pour commencer avec. C'est presque exactement un siècle. Ça va être 100 ans des relations bilatérales entre l'Égypte et le Japon l'année prochaine. On a commencé nos relations diplomatiques en 1922. Donc c'est presque 100 ans de relations. C'était un des pays, le premier pays de reconnaître l'indépendance de l'Égypte. Donc ça va très loin, les relations entre l'Égypte et le Japon. C'est très important de noter que le Japon est un des G5, un des plus grands 5 économies dans le monde. Et aussi, c'est un pays qui est très avancé dans le domaine de la technologie. Et si on prend ça en parallélisme avec la stratégie de l'administration présente, on voit que le focus de l'administration égyptienne présente, c'est l'évolution sur deux niveaux. L'évolution économique et ainsi technologie. Oui. Et donc, c'est très normal qu'on a beaucoup à discuter avec nos confrères au Japon. En même temps, le Japon est un marché très très important pour nous pour le tourisme. Dès que le tourisme va recommencer à reprendre, juste après la Covid, que maintenant on est en train de plus ou moins, pas mal de pays dans le monde sont en train de le mettre sous contrôle. Donc c'est très important d'ouvrir ce marché pour l'Égypte. Mm-hmm. Donc je pense que ça vient dans un très bon moment, cette visite, dans plusieurs dimensions. Oui, Dr Ahmad, le ministre nippon des Affaires étrangères, il a surtout... non seulement il a félicité bien sûr le rôle de l'Égypte sur le plan politique dont on abordera plus tard, mais il a surtout reflété l'intérêt du Japon pour l'économie égyptienne et l'investissement en Égypte. Donc et des relations qui sont déjà mises en place, déjà exécutées, déjà exemplaires sur le plan économique et aussi dans le domaine de l'investissement. Le Japon voit l'Égypte comme le point fort au Moyen-Orient et en Afrique. On est un pays stable. On est un pays où on est riche en ressources humaines. On peut être une terre très très fertile pour l'investissement. À partir de l'Égypte, le Japon et les producteurs japonais peuvent servir presque 1 milliard de personnes qui sont en Afrique et en même temps au Moyen-Orient. Ouais. Donc le Japon voit une alliance stratégique avec l'Égypte pour avoir un appui dans ce marché qui est énorme pour eux. Et vous avez cité au début de l'émission que le Japon est un pays très avancé dans le domaine de la technologie. On voit également une coopération dans le domaine de l'économie, non seulement du commerce et dans le domaine de l'investissement, mais aussi pour l'échange d'expertise et surtout le know-how. Et aujourd'hui, encore une fois, le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre, lors de la réunion avec le président al-Sisi, et bien sûr le ministre nippon des Affaires étrangères, ils ont donc manifesté aussi ce dossier concernant l'échange de la technologie ou l'échange d'expertise dans ce domaine. Absolument, tout le monde sait très bien qu'il y a un sujet qui est très important que l'Égypte est en train de travailler dessus, celui des voitures électriques. Et le savoir-faire pour les voitures électriques japonais est un des meilleurs dans le monde. Oui. Donc je pense que ça doit être une des très importants points sur la liste pour notre coopération avec le Japon. Et la chose qui est très intéressante à apprendre du Japon, et ça c'était quand le Japon a commencé toute cette vague de développement en Asie, que le Japon est un pays qui est caractérisé par être
très, très efficace. Qu'est-ce que ça veut dire efficace? Ils ont très peu de ressources naturelles oui. ou ailleurs. Mais, donc, ils sont très bien à faire beaucoup de choses, à produire avec le minimum de ressources. Avec, il y a tout un chapitre, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails, mais il y a quelque chose qui s'appelle le Kaizen, le Kanban. Ça, ce sont des théories japonais dont la production qui ont vraiment changé tout le concept de production occidentale énormément. L'idée de ne pas avoir beaucoup de stock, de gérer avec ce qu'on appelle JIT, Just in Time, ça ce sont tous oui. des idées ou des stratégies japonaises. Oui. Et tout le monde entier, surtout le monde industriel, a beaucoup d'apprendre du savoir-faire japonais. Et je pense que l'Égypte est en train de faire la bonne chose, d'essayer d'apprendre le maximum qu'on peut entre échanges, entre formations du Japon. On ne peut pas aussi oublier une deuxième fois que, si je ne me trompe pas, en 2009, juste avant la révolution, on avait presque 100 000 touristes japonais. Oui. Et si on parle à n'importe qui dans le domaine du tourisme, et ils te disent qu'ils aiment beaucoup le touriste japonais. Pourquoi? C'est un touriste qui dépense plus. Il te dit que oui, c'est comme ça qu'il gère les choses. Oui. Que le touriste japonais presque, dépense presque trois fois ce qu'un autre touriste d'un autre pays dépense. Donc pour eux, c'est un touriste très très discipliné. Oui. Aucun problème. Donc, vraiment, tout le monde qui travaille dans le domaine du tourisme. Donc, une coopération fructueuse entre l'Égypte et le Japon, non seulement sur le volet politique, mais aussi économique dans le domaine des investissements, à part, bien sûr, ces relations de fraternité depuis longtemps. Et absolument. En tout cas, le Japon a donné un exemple très idéal après l'organisation des Jeux Olympiques. On les félicite. Et aujourd'hui aussi, ils ont été félicités en Égypte par cette organisation et leur souhaitant également une très bonne chance pour le prochain tour des Jeux paralympiques au Japon. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, puisque à l'émission de direct, nous mettons en relief et toujours à la tête de cette émission, les dernières nouvelles, une des réunions en Égypte les plus importantes aussi, puisqu'on parle de développement dans le socio-économique pour les jeunes, que je vais aborder tout à l'heure avec Dr. Ahmed Alifinansef. C'est toujours dans ce domaine, c'est l'alimentation, un des dossiers également à la une, toujours des priorités de la direction et du gouvernement en Égypte. C'est à cet égard que le président Abdel Fattah al-Sissi s'était réuni avec le premier ministre Dr. Mustapha Madbouly et un nombre de ministres pour examiner la mise en œuvre des actifs et des terrains des centres de recherche agronomique dans les gouvernorats du Delta. Et je m'arrête sur Delta puisque c'est une région très importante en Égypte. Je vous laisse avec les détails et le récit de notre collègue Yara Choucha et écrit par Saliha. Le président Abdel Fattah el-Sissi s'est réuni dimanche avec le premier ministre Dr. Mustapha Madbouly, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du développement local, du logement, de l'agriculture et la restauration des terres. La réunion a porté sur la mise en valeur des actifs et des terrains des centres de recherche agronomique dans les gouvernorats du Delta. Le président el-Sissi a dirigé de reformuler l'utilisation de ces actifs et terrains pour tous les services et le développement possible en mettant l'accent sur les différents usages en coordination entre les agences gouvernementales locales, les gouvernorats, le ministère du Logement et l'autorité des nouvelles communautés urbaines. Le chef de l'État a été informé des efforts déployés pour développer l'université de Kafr el-Sheikh et les disciplines scientifiques proposées, en particulier les spécialisations modernes telles que la faculté d'intelligence artificielle et la faculté de nanotechnologie. Les services de santé fournis par l'hôpital universitaire de Kafr el-Sheikh ont également été examinés. Le président a dirigé de terminer rapidement toutes les constructions et les équipements
Connex en fournissant toutes les capacités financières nécessaires afin de présenter les soins de santé distingués au gouvernorat de Kafr-Sheikh et à ses villages et centres, s'intégrant avec l'initiative Vie Décente pour développer la campagne égyptienne. Le chef de l'État a dirigé de mettre au plus tôt possible le plan exécutif de la vaccination de tous les membres et cadres des universités et instituts, y compris les professeurs, le personnel, les employés et les étudiants, coïncidant avec le début de la nouvelle année universitaire. Et de suite, retour à notre sujet principal, la jeunesse égyptienne, autonomisation de cette jeunesse, émancipation de la jeunesse. En vous rappelant que le 12 août, c'est la date de la célébration de la journée internationale de la jeunesse. C'était le 12 août lorsque le président Abdel Fattah al-Sisi a félicité donc les jeunes à l'occasion de leur journée internationale qui est célébrée chaque année. Et le président al-Sisi a exprimé son appréciation et sa fierté vis-à-vis des jeunes en Égypte qui constituent la moitié du présent et tout l'avenir. Le président al-Sisi a également mis les jeunes à la tête de ses priorités afin d'occuper des postes de direction. Il a lancé le programme présidentiel pour réhabiliter les leaders en faveur de l'aide qualifiée à l'action publique. Le président al-Sisi suit également, ou a été plutôt le premier à inaugurer, un pont de communication avec les jeunes via des conférences et des forums. Un commentaire de notre collègue Salih Hamed, ici de Yarachouch, et on revient pour en parler en détail avec notre invité pour ce soir. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée chaque année le 12 août, le président Abdel Fattah al-Sisi a adressé un message aux jeunes d'Égypte, leur exprimant son appréciation et sa fierté. Le chef de l'État a publié sur sa page officielle de réseaux sociaux, je cite, « À la Journée internationale de la jeunesse, j'exprime mon appréciation et ma fierté vis-à-vis des jeunes d'Égypte qui constituent la moitié du présent et tout l'avenir. Par leurs mains, notre chère patrie écrit une histoire exceptionnelle de travail, de construction et de renaissance. Ma confiance est absolue dans les jeunes d'Égypte et dans leur enthousiasme et leur détermination à réaliser le rêve initial de bâtir la patrie. » Fin de citation. Le président rendait toujours hommage à la jeunesse enthousiaste et prometteuse d'Égypte qui représente la véritable force du pays dans sa bataille sacrée pour la survie et la construction. Il a assuré à chaque occasion qu'avec l'aide des jeunes, nous pourrons affronter les défis, assurant que l'État égyptien est toujours déterminé à aider les jeunes à réaliser leurs rêves d'espoir et d'avenir. Les jeunes représentent 60% de la population d'Égypte, sur lesquels l'État compte dans les plans de développement moderne. L'autonomisation des jeunes était presque comme un rêve jusqu'à ce que le président al-Sisi a mis en 2014 les jeunes à la tête de ses priorités afin d'occuper des postes de direction. En 2015, le chef de l'État a lancé le programme présidentiel pour réhabiliter les leaders en faveur de les qualifier à l'action politique. Il s'agit d'une entité indépendante affiliée à la présidence de la République, gérée par une administration professionnelle, collaborant par un certain nombre d'organisations et d'institutions gouvernementales et de la société civile. Le président a été le premier président à inaugurer un pont de communication avec les jeunes via des conférences et des forums. L'objectif contribue à préparer les leaders et permettre d'écouter leurs opinions et leurs idées ainsi qu'à leurs suggestions sur des sujets relatifs à la société égyptienne. Et nous revoilà donc à ce sujet principal, le 12 août, célébration de la journée internationale de la jeunesse et l'importance du rôle de la jeunesse en Égypte. Une jeunesse qui représente plus de 60% de la population depuis 2014. Cet intérêt accordé par la présidence et par le gouvernement aussi en Égypte et le rôle de cette jeunesse au sein de la société, cette jeunesse qui est sur aujourd'hui dans son chemin ou sur le chemin pour ce développement économique et social de l'Égypte. Docteur Ahmad Al-Laythi Nansef. Donc, je commence par la célébration de cette journée internationale de la jeunesse. Donc, un rôle qui est très,
très clair. On le voit au fil des générations également, on le remarque. Aujourd'hui, avec les âges qui changent de cette jeunesse, les mentalités et tout ce qu'on pourrait dire plus sur cette jeunesse égyptienne depuis 2014 jusqu'à 2021, comment vous voyez le rôle de cette jeunesse dans la société égyptienne, notamment sur le volet économique et social? Si vous me permettez, j'aimerais commencer par quelques statistiques qui sont très, très intéressantes. Oui, je vous en prie. Si on fait, regarde une petite analyse pour la population égyptienne, on va voir qu'entre 0 et 14 ans, ça fait 34% de la population. Presque un tiers, ou même plus qu'un tiers de la population, sont 14 ans et moins. Donc entre 0 et 14, c'est un tiers de la population. Entre 15 et 24, encore une autre 18%. Et si on ajoute jusqu'à 30, on a plus que 60%. Ça, c'est très intéressant. Si on regarde, et ça, c'est un chiffre très, très important. Alarmant. Entre 1994 et 2014, la population égyptienne a augmenté par 46%. 46%. Presque la moitié. Ce qu'on appelle le médian, je ne veux pas parler trop du chiffre, mais c'est très important quand on discute une certaine strate de la population qu'on comprend qu'est-ce que ça représente. Et quand on, ce qu'on appelle le médian c'est l'âge le plus répété dans toute la population, c'est 24 ans. 24 ans. Donc, avec ces chiffres, on peut le dire d'une façon très très simple. La majorité des Égyptiens aujourd'hui qui vivent en Égypte sont des jeunes. Ce sont la majorité. Oui. Ok. Et je voudrais retourner à un discours que le président Sisi a donné il y a presque, si je ne me trompe pas, presque 3 ans quand il a commencé à faire le forum des jeunes. Oui. Il a commencé par 2 choses que je pense qu'ils ont toute la valeur pour qu'on comprenne l'importance des jeunes. 2 choses qu'il a citées. La première, que c'est pas quelque chose très joyeux, mais c'est comme ça qu'il l'a cité, et c'est la vérité. Les pays ou les États, récemment, ce n'est plus la guerre externe, c'est la guerre interne, ce qu'on appelle la quatrième génération de guerre. Oui. Donc si jamais il y a un ennemi X qui voudrait attaquer un pays, la meilleure et la plus moins chère façon de l'attaquer, c'est internellement, à travers les jeunes. Oui. Ok. Donc, la jeune, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les jeunes sont la force la plus importante dans les pays, dans le pays. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que le président a citée, et avec une dimension économique, que dans le passé, presque depuis 1977, janvier, pour être spécifique, au temps du président Sadat, presque pour 40 ans, on n'a pas mis les jeunes face aux vrais problèmes. Les gouvernements, et je quote ici verbatim ce que le président Sisi a dit, et ça a commencé au président Sadat quand il a fait la première réforme économique, ça n'a pas marché, les gens se sont gênés, puis il l'a reversé et pour 40 ans, on a fait une pause. Docteur Ahmed, vous voulez dire que d'une marginalisation de la jeunesse au travail, à la sensibilisation, à la participation, à l'émancipation de cette jeunesse. C'est la participation des défis de l'État, du pays. Donc, on n'a pas, les administrations précédentes, et je cote toujours le président Sisi, n'a pas être 100% franc avec les jeunes. Oui.
C'est ça qui a causé la frustration qui a atteint le maximum en 2011. Et c'est très sérieux parce que, comme on vient de dire, si quelqu'un veut attaquer un pays, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus facile de le faire internellement. Donc, on a la majorité qui n'était pas mis face aux vrais défis, des vrais challenges du pays, et en même temps, n'était pas satisfait. Et là, il est en train de changer tout ça. Pour moi, c'est ça le vrai changement stratégique qu'il est l'administration et bien sûr le président sont en train de mettre en place. La jeunesse est donc la force motrice de chaque société. Si on parle de l'Égypte, 60%. Mais pas de toutes les sociétés, parce que c'est très intéressant. Merci pour faire ce point. L'Égypte, la démographie de l'Égypte est plus ou moins le contraire de ce qu'on a en Europe. Parce qu'en Europe, on a le contraire. On a des... Les plus âgés... Les plus âgés, ça forme, ils forment. Et ça, c'est un problème énorme. Parce qu'ils regardent le futur et on n'a pas assez de jeunes pour qu'ils puissent faire le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui. En Égypte, vous voulez dire, la population est productive, la jeunesse est productive. Absolument, et on a le futur. Ça, c'est pour pas, mais je ne veux pas citer les pays pour qu'ils ne se fâchent pas de moi, mais il y a des pays qui sont en train de donner des incentives pour que les gens font la migration et partent là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de population. Ils sachent très bien, s'ils ne sont pas en train de faire ça, dans un moment donné, c'est aussi simple qu'ils ne vont pas avoir assez de personnes pour que le pays marche comme il faut. Et ça, c'est très sérieux. On n'a pas ça. Mais ce qu'on a, c'est quand même, comment dire, c'est un pouvoir, c'est comme une machine énorme, très fort et très puissant. La question maintenant, est-ce qu'on va la conduire dans la bonne direction pour partir vraiment très loin avec ce pays ou on risque, si on ne fait pas ça, on risque d'aller dans l'autre direction et bien sûr, ce qu'on va avoir, ça ne va pas être positif. Et je traduis donc votre explication maintenant avec... Elle traduit exactement la phrase du président Abdel Fattah al-Sissi lorsqu'il a dit que vous, la jeunesse en Égypte, vous constituez la moitié du présent et tout le futur. Absolument. L'Égypte, ce n'est pas comme une deuxième fois, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, va avoir des Égyptiens. Ça va être les Égyptiens. Il y a pas mal d'autres pays que dans 30 ans, non, ils ne vont pas être des gens qui ont été au moins nés dans ce pays. Ce sont des gens qui vont être importés de n'importe où, qui peuvent plus ou moins diriger ce pays dans n'importe quelle direction. Mais l'Égypte, sûrement, dans 20-30 ans, ça va être des Égyptiens qui sont un peu partout. Et ça, c'est très important. D'accord. Je veux donc lier... le travail, cette volonté, cet engagement, non seulement de la part de la direction politique, mais aussi de la part de la jeunesse en Égypte, dont la participation a été extraordinaire dans les différents forums, que ce soit des forums pour la jeunesse égyptienne, mais aussi des forums pour la jeunesse africaine et aussi pour la jeunesse internationale. On a vu des start-up. On a vu une jeunesse qui participe au modèle de simulation, donc une jeunesse prête sur le plan politique. On a vu une participation dans plusieurs ateliers. On a vu l'encouragement pour la création de plusieurs micro-entreprises. Une jeunesse qui se jette aussi dans les SMEs, dans les petites et moyennes entreprises. On voit aussi en parallèle le rôle des ONG, on voit le rôle du secteur privé. Donc un engagement, non seulement sur le plan local, mais aussi un engagement qui a forgé aussi une collaboration régionale et internationale. Absolument. Je veux prendre trois volets que l'administration présente est en train de travailler dessus. Et je pense que c'est exactement dans la bonne direction pour les jeunes de ce pays. La première, on a ce méga projet
d'éliminer toutes les villes bidons. Et une autre fois, je quote le président ici, il a dit, et il a tout à fait raison, et malheureusement, on vient de se rendre compte ça avec cette administration, mais pour 40 ans avant ça, on n'avait pas vraiment mis assez de focus sur ça. Une personne qui grandit dans cet environnement, on ne peut pas attendre qu'il va être une personne correcte. Dans n'importe quelle direction. Il peut partir dans le fanatisme religieux, il peut partir dans il peut partir dans tous les sens. Mais le sens qu'il ne va pas partir, c'est le bon sens. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas se permettre, et c'est une des top priorités de l'administration présente, de garder des jeunes qui sont en train de grandir dans un milieu pareil. Et on a presque plus ou moins éradiqué toutes les villes bidons, juste à côté même ici, mais un peu partout dans le pays, on n'a plus de ça. Une jeunesse impliquée dans plusieurs projets de développement, que ce soit des projets de développement économique ou même projets de développement social. Et on voit aussi cette volonté, à l'inverse aussi, affichée, cet engagement par la jeunesse égyptienne pour être toujours au centre aussi des événements ou de ce qui se passe en fait sur le terrain concernant le développement économique, socio-économique du pays. Une jeunesse, Dr Ahmad, la jeunesse, surtout en Égypte, un pays très riche par ses ressources naturelles, une jeunesse qui aspire à un meilleur niveau de vie et qui voit cette aspiration se traduire aujourd'hui à travers plusieurs projets de développement. Comment donc on peut regarder aujourd'hui le rôle de cette jeunesse? Comment on la voit donc combler le vide, pas le vide, mais dans leur place adéquate? Deux autres volets que j'aimerais toucher aussi, parce que sans ces deux volets, ça va être presque injuste d'attendre un rôle de cette jeunesse. La première volet, c'est 100 millions santé. C'est ce projet. Moi, j'ai vu personnellement, quand j'étais dans le Gaulle, j'ai vu pas mal de jeunes Égyptiens qui viennent et à cause de hépatite C, ils ont été retournés en Égypte, ils n'ont pas été acceptés. Et quand on fait un projet pareil pour éradiquer le hépatite je pense que ça, on est en train de mettre la jeunesse sur la bonne voie. La troisième volée, après le ville bidon, la santé, et la troisième volée, c'est le nombre très important des universités qui sont en train d'ouvrir. Oui. Mais, et c'est ça la chose la plus importante, parce que ce n'est plus la quantité, c'est la qualité. Université qui sont associés par des top universités dans le monde, ça premièrement, et deuxièmement, qui donnent des degrés qui sont, ou des spécialités qui sont demandées dans le marché du travail. Là, l'administration, dans ces trois volets, ils sont en train de mettre la jeunesse dans la bonne voie pour le futur. Et là, ils vont jouer un rôle très impératif ou très important pour le développement du pays. Donc, on est en train de faire tout ce qui est bien. Bien sûr, je ne veux pas rentrer dans les petits détails qu'on a des forums, nous sommes en train de célébrer la journée. Mais la célébration, ce n'est pas une journée, ce n'est pas faire la fête. C'est des faits accomplis. Absolument. Et c'est des faits stratégiques. Oui. Parce que ça prend beaucoup de travail, ça coûte très cher, mais la chose que l'administration est en train de faire, c'est de s'assurer que notre génération, quand ça va donner le bâton aux générations qui suivent, que le pays est dans un état beaucoup mieux de ce qu'on a reçu, et pas le contraire. Et on est sur la bonne voie pour achever ça. D'accord. Je vais reprendre encore une fois à Dr Ahmad l'engagement aussi pour le développement économique en Égypte et le développement social, qui bien sûr inclut la jeunesse égyptienne, représentant plus de 60%. Vous avez cité jusque entre 15, si on pourrait dire, entre 15 et 30, plus de 69% aussi. Et depuis 1994, on a augmenté de plus de 46% de cette population égyptienne, dont bien sûr la jeunesse fait grande partie. Je m'arrête sur ce développement économique, Dr Ahmad, qui est basé
basée surtout, puisque si on regarde cette pyramide économique sur les petits et moyens, les projets des petites et moyennes entreprises, sur les start-up, sur tout ce que cette jeunesse a pu nous traduire dans les différents forums auxquels on a assisté. Comment vous voyez donc cette participation, ces initiatives pour l'innovation de la jeunesse, pour beaucoup d'initiatives qui, en fait, qui ouvrent l'esprit de cette jeunesse à investir dans leur pays avec leur propre esprit. Je me rappelle d'une présentation, c'était par une des plus grandes sociétés dans le domaine de construction au président. Et tout ça marchait bien jusqu'à la personne, le PDG, a dit qu'il a planifié de ne pas utiliser des Égyptiens travailleurs dans ce projet. Et là, le président a dit, ça y est, c'est non. Tout ce qu'on est en train de faire, toutes les activités économiques, c'est 100% géré par ou mené par des jeunes Égyptiens. Et là, quand on leur donne l'opportunité de travailler, de gagner leur vie, d'apprendre, parce que c'est très important d'apprendre sur le travail. Quand on apprend à l'université, c'est un peu théorique, mais là, quand on les met dans le terrain, ils travaillent avec leurs propres mains, c'est là que vraiment ils apprennent. Okay? Et avec tous les projets qu'on a, qui sont un peu partout dans le pays, je pense qu'on est en train de donner une opportunité énorme à tous nos jeunes, et surtout dans les nombres. On a pas mal de forums, on a des jeunes qui ont fait des robotiques, on voit ça. Ça, il reste qu'on est en train de leur donner leur propre opportunité, mais ça reste quand même un pourcentage. Ce qui est très important, on est en train de parler plus que 50 ou 60 millions de personnes. Hein. C'est énorme. C'est la population de la France et c'est la population d'Angleterre. C'est énorme. C'est vrai. Des jeunes. Et là, je pense qu'on est sur la bonne voie avec l'administration présente qui a les jeunes comme un focus et une priorité sur leur agenda. D'accord, on va s'arrêter quelques instants, chers téléspectateurs, et suivre un dernier compte rendu de notre collègue Salih Hamed et Yara Choucha qui parle toujours. On va faire un petit retour à Dr Ahmed aussi sur la participation de cette jeunesse et cette confiance affichée de la part de la direction politique en Égypte envers cette jeunesse très prometteuse de l'Égypte et comment aussi l'État compte sur la jeunesse égyptienne dans les plans de développement moderne. Et c'est donc dans ce contexte que le président Abdel Fattah al-Sisi avait mis les jeunes à la tête de ses priorités afin d'occuper les postes de direction. Et il avait donc inauguré ce pont de communication avec les jeunes via des conférences et les forums depuis 2014, des forums qui ont pour but de communiquer avec les jeunes et de les réhabiliter pour devenir des leaders. Un retour sur donc ces activités et ces engagements de la part du président et de la jeunesse égyptienne avec ce compte-rendu de Salih Hamed et Yara Choucha. En 2014, dès que le président Abdel Fattah el-Sissi a pris la présidence, des étapes pratiques ont été prises en vue d'intégrer les jeunes dans diverses institutions, organisations gouvernementales, lors de son entretien avec des jeunes investisseurs et des hommes d'affaires. Le chef de l'État s'est engagé à les entraîner à l'Académie militaire de Nasser en 2014. Cette académie a organisé des sessions intitulées « La stratégie nationale et la sécurité nationale » auxquelles ont participé un grand nombre de jeunes travaillant à l'appareil gouvernemental. En septembre 2015, le chef de l'État a lancé le programme présidentiel pour réhabiliter les leaders en faveur de les qualifier à l'action politique. Le programme a inauguré un site officiel et une page sur le site web des médias sociaux sous le slogan « Avec le pouvoir de sa jeunesse, vive l'Égypte », ayant un objectif qui vise à adopter les plus récentes méthodes pour faire face aux problèmes égyptiens. La vision de ce programme consiste à responsabiliser les jeunes politiquement et à créer un climat propice au développement de la vie politique. Le président était le premier à inaugurer un pont de communication avec les jeunes. La première conférence nationale des jeunes était à Sharm el-Sheikh en 2016 et à laquelle ont participé plus de 3 000 de divers gouvernorats.
La deuxième s'est tenue à Aswan en janvier 2017, une troisième à Ismaïlia en avril 2017 et la quatrième à Alexandrie en juillet de la même année. Les recommandations de la conférence incluaient le soutien total du Forum de dialogue des jeunes du monde convoqué par la jeunesse égyptienne, invitant des rois, des princes, des présidents et des dirigeants de pays frères et amis à participer à ce forum. La cinquième conférence s'est tenue en 2018 au Caire pour remodifier les lois privées des partis politiques en mettant l'accent à l'entité nationale des Égyptiens et recourir aux jeunes visant à élaborer un mécanisme pour exécuter la stratégie de 2030. La sixième conférence a eu lieu en 2018 à l'Université du Caire avec la participation de 3000 étudiants et étudiantes venant de diverses universités de la République et une élite des savants et des responsables. Alors que la septième conférence s'est tenue en 2019 et à laquelle participaient 1500 représentants tous les catégories de la jeunesse égyptienne. La huitième conférence a eu lieu en 2019 au Nouveau Caire pour examiner des mesures prises par les jeunes afin d'exécuter le Forum mondial de la jeunesse. Les deux villes de Louxor et d'Assouan ont accueilli en décembre 2019 la 10e édition du Forum de la jeunesse arabe et africaine avec la participation de 31 États et plus de 300 jeunes hommes et femmes issus de différents États arabes et africains. Et de retour, chers téléspectateurs, une dernière question adressée à mon invité pour ce soir. Dr Ahmed, on a parlé lors de ce compte-rendu depuis 2015 et cette initiative présidentielle du programme présidentiel pour réhabiliter les leaders. Un programme depuis 2015, donc depuis plus de 5 ou 6 ans aujourd'hui, pour préparer ces leaders égyptiens, cette jeunesse en faveur de les qualifier à l'action politique pour faire face aux défis, aux guerres, comprendre ce que c'est la vie politique. Une telle initiative qui a encouragé certainement les autres pays, surtout les pays africains, puisqu'on a croisé beaucoup cette jeunesse africaine et voir cette interaction avec la jeunesse égyptienne et africaine. Dans ce contexte, je veux dire. Je pense que dans cet âge, quand la personne n'a pas assez de responsabilités encore, je pense que c'est la meilleure façon et la meilleure période dans sa vie de faire une interaction avec les autres pays. Parce que ses mémoires, ça reste pour toujours. Donc un jeune qui va devenir, je ne sais pas, un ministre ou même plus dans un pays africain, il va se rappeler des bonnes journées qu'il a eues de son séjour à l'Égypte quand il était jeune. Et ça peut être une toute forme de diplomatie populaire, si vous voulez, entre les deux peuples. Et là, c'est une initiative avec, je pense, il y a une presque quarantaine de pays qui se sont réunis. Et c'est énorme. Aussi, l'interaction, ça aide, parce que chaque nationalité ou chaque pays, il y a toujours une façon qui est un peu différente de voir les choses. Donc, l'interaction dans cet jeune âge, ça ouvre les horizons des jeunes pour leur dire qu'il y a d'autres jeunes dans votre âge qui sont en train de voir les choses un peu différemment. Et qui ont effectivement participé à ce programme de leadership présidentiel aussi, africain, PLP, oui. Mais ils voient la chose d'un angle qui est un peu différent. Et là, ils sont en train d'apprendre. Et c'est pour cela que je pense que c'est une expérience énorme pour n'importe quel jeune qu'il peut participer. Il gagne pas mal de choses. Et je pense que ça reste toujours dans le cadre du développement des jeunes que mené par l'administration. D'accord. Dr Ahmed Al-Laythi Nassef, vous êtes consultant international en économie et en gestion. Merci beaucoup d'avoir participé à cette édition de direct. Voilà donc, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition concernant le 12 août, Journée internationale de la jeunesse. La jeunesse sur laquelle pèse le pays, 60% du pays de l'Égypte, sur cette jeunesse qui est la moitié du présent et tout le futur. Merci donc de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe. Très bonne fin de soirée à tous et au revoir.